Les jardins communautaires réunissent des personnes âgées, des adultes, des jeunes familles, des enfants, enfin tous ces gens-là. Donc c'est intergénérationnel. On veut vraiment créer une synergie entre les gens d'ici, créer un mouvement, mais surtout que les gens puissent se rencontrer puis échanger. Et déjà, on a 23 parcelles d'utiliser par soit des aînés, soit des jeunes de l'école de Saint-Alexis et ou d'autres personnes de la municipalité. Alors, c'est un grand succès. C'est vraiment un endroit où les gens peuvent se rencontrer et travailler dans la terre. Parce qu'on veut aussi promouvoir la saine alimentation et retourner à nos sources qui sont la base, qui est l'alimentation.